La Légion étrangère était pour moi, déjà, je l'en niflais depuis pas mal de temps, je l'avais vu en Syrie, je l'avais vu, comment dirais-je, en Indochine aussi, où je me trouvais. Et le côté carré, dur, solide des hommes, et vraiment leur science du combat, et la façon dont ils s'imposaient moralement. Et c'est pas le sable chaud, il avait les yeux bleus, ça c'est de la foutaise. Mais la vérité, c'était ça, des hommes bien carrés, solides. Et des étrangers, en fait, qui se rassemblaient. Des étrangers qui n'épousaient pas de querelles raciales, qui n'épousaient pas de querelles religieuses ou philosophiques. Des gens qui étaient soudés entre eux. En plus de ça, nous étions là, à la Légion, et quand j'y suis arrivé, encadré par des officiers qui sortaient de Saint-Cyr. Remarquable. Remarquable. Alors, tombant sur un gamin comme moi, ça a fait, si je veux dire, du dégât, c'est évident. Et j'étais enthousiaste. Et j'attendais que le moment de se réaliser. Se réaliser, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire réussir comme ça. Ça veut dire savoir quand est-ce qu'on va devenir et comment on va devenir un homme. C'est ça qui est important. Même avant la guerre, j'étais tourlupiné par ça, en voyant les récits de 14-18, et je me suis dit, vraiment, il était gonflé pour arriver à tenir de cette façon-là. Et moi, voyant que j'étais dans l'épreuve, mais il a fallu aussi que moi, je me cherche et je me trouve. La confiance, justifier la confiance que les chefs ont en vous. Justifier la confiance que les légionnaires on s'en vous, car ils vous confient leur vie. Bon, et puis vis-à-vis de vous-même, quand vous êtes seul, vous êtes là, là, sur le terrain nu, la mort, elle est là. Et derrière vous, parce que les dernières secondes, elle vous a laissé tranquille, mais elle est devant, dans l'incertitude des secondes qui vont venir. C'est là, à ce moment-là, qu'il s'agit de ne pas plier. Dans la vie, ne jamais plier. Bon, à ce moment-là, vous prenez, si vous dominez tout cela, vous pouvez faire des choses fantastiques. Quand je dis fantastique, c'est d'ailleurs vous réaliser. Alors à partir du moment où vous êtes réalisé, vous êtes plus tranquille, plus serein. Vous vous sentez, c'est très drôle parce que il y aurait l'histoire de la Légion à apprendre, mais être légionnaire, c'est quelque chose de sacré. Quand on m'a remis le grand cordon de la Légion d'honneur, c'est-à-dire le grade le plus élevé, un légionnaire est venu me voir et il m'a tendu son képi. Blanc. Et c'était pour lui l'insigne de l'hommage rendu. Ça vaut toutes ces décorations que vous voulez, tout ça. Tout ça. Alors, cet axe-là, ce livre, bon, ça m'a permis de faire toute cette guerre. À la fois en Syrie, en Égypte, en Cyrénaïque, en Tripolitaine, en Tunisie. De la Tunisie, on a sauté sur l'Italie. Et là, en Italie, au Monte Cassino, là, j'ai été ramassé. Le corps français est absolument remarquable. Il y avait, bien sûr, les troupes de base qui étaient gaullistes, mais il y avait aussi d'autres régiments d'Algériens, de Tunisiens, de Marocains joints à nous. Et sur le front, quand on le regardait, nous étions en pointe. La pointe, c'était les Français. Malheureusement, sur les côtés, ça n'allait pas assez vite. Et c'est comme ça que j'étais descendu. Descendu, oui. Un moment de repos. Et puis, à ce moment-là, moi, j'étais soumis au général de Gaulle, qui m'a fait entrer dans l'ordre de la libération. Alors ça, l'ordre de la libération, est... d'abord quand on me l'a annoncé, je sortais de l'hôpital, j'arrivais sur les arrières de l'unité, lieutenant Germain, oui, un message de la division. Ordre donné au lieutenant Germain d'être présent sur le terrain d'aviation de Caserta en Italie. Demain, le général de Gaulle l'introduira dans l'ordre de la libération. C'est le ciel qui vous tombe sur la tête. J'avais jamais pensé à ça.
Mais t'es bien battu, mais je n'avais jamais pensé à ça. Ni travailler en vue de cela, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était le problème de la France. Oh, bien sûr, la première fois qu'on reçoit une décoration, on est très fiers. Quand on m'a remis ma première croix de guerre, j'avais, oui, 21 ans. Eh bien, j'étais fier. Croix de guerre et première Légion d'honneur. Eh bien, quand on me l'a remis, ça, et puis quand j'ai vu que je l'avais, j'ai constaté qu'à ce moment-là, j'avais un thorax de gladiateur. C'est les joies premières, ces émotions. Mais on vous fait comprendre tout de suite, c'est pas pour ça que vous vous battez. C'est qu'il y a du travail. Alors bon, pendant une demi-journée, on est là, on stade, et puis les chefs vous honorent quelque peu. Et à la fin de la journée, remballez vos décorations, on repart demain. Eh bien, ah oui, après l'Italie, j'ai fait le débarquement sur les côtes de France. Ça, c'est un moment important. C'est là, nous avions, nous, de l'autre côté, dans les forces françaises libres, nous avions évidemment cru en la France. Mais on s'imaginait que les Français étaient les mêmes. Ça a été une déception colossale. Et à ce moment-là, je dirigeais quand même deux compagnies de Légion. J'ai fait le débarquement, là, en tête, dans les chaluts. Les chaluts, ils avancent en avant, il faut foncer. Et puis, on atteint les objectifs. Les gens du coin, ils ont dû claquer un peu partout, ils disaient, oh là là. Et puis, le lendemain matin, quand on a repris le chemin pour aller vers l'ouest, vers Toulon, alors les gens du midi étaient là à la terrasse. Là, avec les petites cages en bambou. Et puis, le pastis devant eux. Allez-y, les enfants, allez-y, allez-y. Eh bien, là, j'ai eu honte. Parce que les légionnaires, à ce moment-là, m'ont regardé, mais ils ne viennent pas avec nous. Ils n'ont pas fini leur piano, c'est tout. Alors, ensuite, il y a eu des malentendus et aussi, comment dirais-je, on voyait que la France avait été absente. Et je dirais que le grand mal, et je peux me permettre de dire ce que je vais vous dire, le grand mal des Allemands a fait subir à la France, ce sont moins les, même si c'est atroce, les déportations, comme vous voudrez, c'est le fait d'avoir isolé la France d'un monde qui était en grande transformation. Moi, j'avais eu la chance de le vivre. Je vivais au contact, quand j'étais en Libye, des Anglais, des Sud-Africains, des Écossais, des Néo-Zélandais, des Grecs, des Sud-Africains, tout ce que vous voulez, des Polonais en particulier. On discutait, on échangeait. Et même une demi-heure avant le saut pour le débarquement en France, où j'étais là en attente, on attendait, et en attendant, on buvait un whisky dans le bureau du commandant du bord. Eh bien, il s'est passé, on reconstruisait l'Europe. C'est étonnant à dire. Et il y a une seule phrase. Quand pourrons-nous bientôt prendre l'Orient Express à Paris pour nous retrouver à Constantinople? Ça voulait tout dire. Cette recherche d'avoir de la paix, de la reconstruction, dans un cadre beaucoup plus moins violent et de coopération. Nous étions en cela, en avance sur notre temps. Nous ne faisions pas de politique. Tel qui était, comment dirais-je, fusil à trois, eh bien, il était ce qu'il était. Et le plus humble d'entre nous ne disait rien. Sur le plan religieux, il y avait tout. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne pouvez pas le savoir quand sur les bords du Garigliano en Italie, eh bien, on m'a chargé à un moment donné, parce que je n'attendais pas ce jour-là, d'enterrer mes amis. Les cercueils qui pissaient le sang partout. On reconnaissait un tel, aïe, aïe, aïe. Et puis des tels autres. Et puis des anonymes qui étaient là. Ils étaient quoi? Ils étaient juifs. Ils étaient mahométans.
Ils étaient chrétiens, ils étaient protestants, si vous voulez, ou agnostiques, tout simplement. On les a enterrés avec la même ferveur, la même ferveur. Alors quand on me parle des guerres de religion maintenant, j'ai envie de vomir.